Au niveau du point 1, recueillement, ceux qui nous ont quittés, M. Robert Saint-Martin, Marcelin Paradis, Richard Gagné, Sandro Zuccaro, Jacqueline Léonard, Wilfrid Dumont. Donc, nous allons prendre une minute de silence. Donc, Monsieur le Directeur général, les présences sont prises. Point 3. Première période de questions qui s'applique aux résolutions de ce soir. La deuxième période de questions, on va répondre à n'importe quelle de vos questions. Mais la première période, c'est par rapport au point à l'ordre du jour. Donc, nous allons passer au point 4, adoption de l'ordre du jour. Pour en faire la proposition, Mme Lucie Chagnon, s'il vous plaît. Il est proposé que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté aux membres du Conseil. Au vote. Pour. 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 Adoption des procès-verbaux, point 5. Il n'y a pas rien au niveau des procès-verbaux. On commence à être en retard, M. DG. Passe le message. Donc, point 6A, adoption du règlement numéro 688-2021 ayant pour objet la tarification applicable aux biens, services et activités de la municipalité de Sécalix. On sent que les membres du Conseil ont pris individuellement connaissance du règlement numéro 688-2021, ce qui dispense de lecture. D'ailleurs, on l'avait déjà aussi parlé lors de la séance précédente. Donc, pour en faire la proposition, Mme Louise Bourassa. Je propose que le règlement numéro 688-2021, règlement ayant pour objet la tarification applicable aux biens, services et activités de la municipalité de Saint-Calix, soit et est adopté. Au vote. Pour. 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 6B, vente de terrain, partie de l'eau, 3 513 057. Constat que la municipalité possède une partie de rue de la rue Hirondelle portant le lot 3 513 057. Considérant que M. Réal Gilbert a fait une offre d'achat pour acquérir ce terrain selon le règlement 669-2020. Considérant que M. Gilbert a fait l'offre en connaissance de cette politique, considérant qu'une description technique préparée par M. Pascal Neveu, arpentage géomètre, minute 13-411, dossier 55-352, a été déposée, considérant que la superficie vendue est de 190,8 m². Pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Hull. Je propose que la municipalité de Saint-Calix accepte de vendre sans garantie légale à M. Réal Gilbert le terrain mentionné au préambule de la présente résolution, pour un montant total de 100 $ taxes applicables en sus. Que la municipalité reconnaît avoir reçu le paiement total de 114,98 $ le 30 novembre 2021, dont le numéro de reçu est le numéro 18416. Que les frais de notaire, incluant les frais de radiation, de recherche et de clarification des titres, si nécessaire, seront à la charge de l'acquéreur. Que le maire, M. Michel Jasmin, ou le maire suppléant et le directeur général, M. Mathieu Charles Leblanc, soient et sont mandatés pour signer, au nom de la municipalité, le contrat à intervenir entre les parties, et ce, d'ici le 1er mars 2022. Qu'à défaut de l'acquéreur de contracter devant notaire dans le délai prévu, la somme de 114,98 restera acquise par la municipalité à titre de dommages et intérêts, et le terrain sera remis en vente. Au vote.
Pour. 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 Résolution 6C, vente de terrain, lot 4 869 808 et 809. Considérant que la municipalité possède des terrains non constructibles, portant ces numéros. Considérant que Mme Sylvie Giroux et M. Édouard Tal ont fait une offre d'achat pour acquérir ce terrain conformément à la politique du règlement 669-2020. Considérant que Mme Sylvie Giroux et M. Édouard Tal ont fait l'offre en connaissance de cette politique. Pour en faire la proposition, Mme Julie. Je propose que la municipalité de Saint-Calix accepte de vendre sans la garantie légale à Mme Sylvie Giroux et M. Édouard Tal les terrains mentionnés en préambule de la présente résolution pour un montant total de 200 $, taxe applicable en su. Que la municipalité reconnaît avoir reçu le paiement total de 229,95 $ le 11 novembre 2021, dont le numéro de reçu est le 18098. Que les frais de notaire, incluant les frais de radiation, de recherche et clarification des titres si nécessaire, seront à la charge de l'acquéreur. Que le maire, M. Michel Jasmin, ou le maire suppléant, et le directeur général, M. Mathieu Charles Leblanc, soient et sont mandatés pour signer au nom de la municipalité le contrat à intervenir entre les parties, et ce, d'ici le 1er mars 2022. Qu'à défaut de l'acquéreur de contracter devant notaire dans les délais prévus, la somme de 229,95 $ restera acquise à la municipalité à titre de dommages et intérêts et les terrains seront remis en vente. Au vote. Pour. 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 6D, vente de terrain, lot 3 186 875. Considérant que la municipalité possède une partie du lac des quatre saisons portant ce lot. Considérant que Mme Émilie Laflamme a fait une offre d'achat pour acquérir ce terrain conformément à la politique, le règlement 669-2020. Considérant qu'une description technique préparée par Pascal Neveu, arpenteur géomètre, minute 13408, dossier 55-479, a été déposée. Considérant que la superficie vendue du terrain est de 555,9 mètres carrés. Pour en faire la proposition, M. Gaétan Lavallée. Je propose que la municipalité de Saint-Calix accepte de vendre sans la garantie légale à Mme Émilie Laflamme le terrain mentionné au préambule de la présente résolution pour un montant total de 200 $, taxe applicable en su. Que la municipalité reconnaît avoir reçu le paiement total de 229,95 $ le 14 juillet 2021, dont le numéro de reçu est le numéro 12698. Que les frais de notaire, incluant les frais de radiation, de recherche et de clarification des titres nécessaires, seront à la charge de l'acquéreur. Que le maire, M. Michel Jasmin, ou le maire suppléant et directeur général, M. Mathieu Charles Leblanc, soient et sont mandatés pour signer au nom de la municipalité le contrat à intervenir entre les parties. Et ce, d'ici le 1er mars 2022. Qu'à défaut de l'acquéreur de contracter devant notaire le délai prévu, la somme de 229,95 $ restera acquise à la municipalité à titre de dommages et intérêts, et le terrain sera remis en vente. Au vote. Pour. 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 6E, vente de terrain, lot 4 568 535 et 4 568 539. Considérant que la municipalité possède des terrains non constructibles. Considérant que Mme Joanie Smith et M. Sébastien Smith ont fait une offre d'achat pour acquérir ces terrains, conformément à la politique, le numéro 669-2020. Pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta. Je propose que la municipalité de Saint-Calix accepte de vendre sans la garantie légale à Mme Joanie Smith et M. Sébastien Smith les terrains mentionnés au préambule de la présente résolution pour un montant total de 500 $, taxe applicable en sus. Que la municipalité reconnaît avoir reçu le paiement de 574,88 $ le 6 décembre 2021, dont le numéro de reçu est le 18507. Que les frais de notaire, incluant les frais de radiation, de recherche et de clarification des titres si nécessaire, seront à la charge de l'acquéreur. Considérant que le maire, M. Michel Jasmin, ou le maire suppléant et le directeur général, M. Mathieu Charles Leblanc, soient et sont mandatés pour signer au nom de la municipalité les contrats à intervenir
entre les parties, et ce, d'ici le 1er mars 2022, qu'à défaut de l'acquéreur de contracter devant notaire dans les délais prévus, la somme de 574,88 restera acquise à la municipalité à titre de dommages et intérêts, et les terrains seront remis en vente. Au vote. Pour. 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 6F, vente de terrain, lot 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424, 4 569 424,
Au vote. Pour. 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 Résolution 6H. Vente de terrain, lot 4 960 405. Considérant que la municipalité possède une partie de la rue du barrage portant le numéro 4 906 405 du cadastre du Québec. Considérant que M. Pierre Saint-Amand a fait une offre d'achat pour acquérir ce terrain conformément à la politique de vente de terrain qui est le règlement 669-2020. Considérant qu'une description technique préparée par, M. Alain Dazé, arpenteur géomètre, minute 3265, dossier 54-550, a été déposée. Considérant que la superficie vendue est de 251 mètres carrés. Pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Houle. Je propose que la municipalité de Saint-Calix abroge la résolution 2020-03-08-045, puisque les délais de vente sont dépassés, mais ces retards sont dus au délai du notaire. Que la municipalité de Saint-Calix accepte de vendre, sans la garantie légale, à M. Pierre Saint-Amand, le terrain mentionné au préambule de la présente résolution pour un montant total de 100 $, taxe applicable en sus. Que la municipalité reconnaît avoir reçu le paiement total de 114,98 $ le 13 avril 2021, dont le numéro de reçu est le numéro 5370. Que la municipalité de Saint-Calix accepte d'acquérir à M. Pierre Saint-Amand une partie du lot 4,631,663 $ d'une superficie de 15,7 mètres carrés pour la somme de 1 $, tel que démontré par la description technique de M. Alain Dazé, arpenteur géomètre, afin de l'intégrer à la rue des Papillons. Que les frais de notaire, incluant les frais de radiation, de recherche et de clarification des titres, si nécessaire, seront à la charge de l'acquéreur. Que le maire, M. Michel Jasmin, ou le maire suppléant et le directeur général, M. Mathieu Charles Leblanc, soient et sont mandatés pour signer au nom de la municipalité le contrat à intervenir entre les parties, et ce, d'ici le 1er mars 2022. Qu'à défaut de l'acquéreur de contracter devant notaire dans le délai prévu la somme de 114,98 $ restera acquise à la municipalité à titre de dommages et intérêts et le terrain sera remis en vente. Au vote. Pour. 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 6I. Oui. C'est bon. Donc, on repart. Résolution 6I, abrogeant la résolution 2021-05-10-145. Considérant que la municipalité possède des terrains constructibles portant les numéros de lot 3,186,336, 3,186,339, 3,513,178 du cadastre du Québec situé sur la route 335. Considérant que Mme Ingrid Sandra Gisseau et M. Prosper Guy Ago ont fait une offre d'achat pour acquérir ces terrains conformément à la politique. Considérant que les tests de sol ont été déposés après la date demandée par la résolution. Pour en faire la proposition, Mme Julie Lamoureux. Je propose que la municipalité de Saint-Calix abroge la résolution 2021-05-10-146 et qu'elle devienne caduque et sans avenue. Que la municipalité de Saint-Calix rembourse seulement le dépôt de Mme Ingrid Sandra Gbesso et M. Prosper Guy Ago de $2,724,90 reçu le 5 mai 2021. Que les lots 3,186,336, 3,186,339 et 3,513,178 soient ajoutés à la liste des terrains non constructibles. Au vote. Pour. 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 Donc, on a vendu des terrains en pensant qu'ils étaient constructibles. Ils ne l'étaient pas à cause des tests de sol. Donc, on rembourse. Puis là, bon, on va les mettre dans la liste des terrains non constructibles. Résolution abrogeant la résolution 6J. Résolution abrogeant la résolution 2021-03-08-38. Vente de terrain lot 4,568,924. Considérant que la municipalité possède un terrain constructible portant le lot 4,568,924 du cadastre du Québec situé sur la rue Vers-Saint-Gé-Torix. Considérant que M. Serge Figuero,
a fait une offre d'achat pour acquérir ce terrain conformément à la politique, politique 669-2020. Considérant que le test de sol a été déposé après la date demandée par la résolution. Donc, pour en faire la proposition, M. Gaétan Lavallée. Je propose que la municipalité de Saint-Calex abroge la résolution 2021-0308-038 et qu'elle devienne caduque et sans avenue. Que la municipalité de Saint-Calex rembourse seulement le défaut de M. Serge Figuero de 1943-08, reçu le 21 janvier 2021. Que le lot 4,568,924 soit ajouté à la liste des terrains non constructibles. Au vote. Pour. 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 Résolution 6K, abrogeant la résolution 2021-03-22-060, vente de terrains, le lot 4,569,123. Considérant que la municipalité possède un terrain constructible portant le numéro de lot 4,569,123 du cadastre du Québec, qui était situé sur la route 335. Considérant que M. Jean-Guy Perrault a fait une offre d'achat pour acquérir ses terrains conformément à la politique, le politique 669-2020. Considérant que les tests de sol déposés le 17 mai 2021 n'est pas complet et ne fait pas mention que le terrain n'est pas constructible. Considérant que les délais du 15 juin et 15 août 2021 pour déposer les documents sont dépassés et que M. Jean-Guy Perrault n'a pas donné suite au service d'urbanisme. Pour en faire la proposition, M. Alexandre Mantan. Je propose que la municipalité de Saint-Calix abroge la résolution 2021-03-22-060 et qu'elle devienne caduque et sans avenue. Que la municipalité de Saint-Calix conserve le dépôt de M. Jean-Guy Perrault de 2460-47, reçu le 17 mars 2021. Que le lot 4,569,123 soit remis en vente sur le site Internet de la municipalité comme terrain constructible. Au vote. Pour. 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 Résolution 6L, abrogeant la résolution 2021-05-25-165 relativement au terrain lot 4,568,641. Considérant que la municipalité possède un terrain constructible portant le numéro de lot 4,568,641 du cadastre du Québec, situé sur la rue des Sources. Considérant que M. Vitaly Sinichenko et M. Alexandre Solomon ont fait une offre d'achat pour acquérir ce terrain conformément à la politique 669-2020. Considérant que les tests de sol ont été déposés après la date demandée par la résolution. Pour en faire la proposition, Mme Lucie Chagnon. Je propose que la municipalité de Saint-Calix abroge la résolution 2021-05-25-165 et qu'elle devienne caduque et sans avenue. Que la municipalité de Saint-Calix rembourse seulement le dépôt à M. Vitaly Sinichenko et M. Alexander Solomon de 2,253,50 $ reçu le 17 mai 2020. Que le lot 4,568,641 soit ajouté à la liste des terrains non constructibles. Au vote. Pour. 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 Résolution 6M. Demande de dérogation mineure numéro 2021-006 concernant le 225 rue de Gaulle. Considérant que la propriété n'est pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général. Considérant que cette demande n'affecte pas les dispositions réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 16 et 16.1 du deuxième alinéa de l'article 113 de la loi sur l'urbanisme, loi sur les urbanistes. Considérant que la présente demande a pour but de déroger à une disposition du règlement de zonage, le règlement 345-A-88, comme prévu au règlement sur les dérogations mineures, 345-F-88, tout en respectant les objectifs du plan d'urbanisme, qui est le 345-H-90, en vigueur. Considérant que le propriétaire a fait une demande de permis au service urbaniste par courriel
et ce dernier a été mal informé de la part du secrétariat. Le premier propriétaire a commencé ses travaux parce qu'il a reçu l'information qu'il avait un permis en vigueur, ce qui n'était pas le cas. Constatant que le propriétaire a arrêté ses travaux lorsque le service urbaniste lui a demandé. Constatant que la fondation construite du garage est complètement chauffante. Constatant que le propriétaire a conformé le garage avec un permis avant de disposer sa demande de dérogation mineure en le modifiant pour y mettre un abri à bois attenant par l'arrière. Constatant que le propriétaire a démontré sa bonne foi dans tout le processus. Constatant qu'il n'y a pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, puisque le bâtiment aura la même forme et implantation de la rue, avec ou sans l'abri de bois. Donc, chaque dérogation mineure, on est comme un jury, nous en avant. Donc, je vous forme en même temps, chers conseillers et conseillères. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut faire valoir un point par rapport à cette dérogation mineure-là, il peut venir à l'avant. Sinon, nous, bien, on devient comme un jury et on va prendre notre décision. Donc, s'il n'y a personne par rapport à ça. Donc, pour en faire la proposition, Mme Louise Bourassa. Je propose qu'il soit accepté par le conseil municipal une dérogation mineure permettant la construction d'un garage détaché de plus de 95 mètres carrés à 8 mètres de la marge de recul au lieu de 30 mètres, règlement 345-A-88, l'article 4.8.1.1.1, au 225 rue de Gaulle, à condition qu'une bande de végétation mature soit toujours existante entre la rue et le dit garage détaché, afin d'atténuer son impact de la voie publique. Au vote. Pour. 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 6N, entente pour le service de déneigement rue Philippon. Considérant que le promoteur 9301-0775 Québec Inc. et la municipalité ont conclu une entente visant la construction de rues au domaine du Cerf, laquelle entente a été autorisée par résolution numéro 2021-06-21-205. Considérant que le promoteur 9301-0775 Québec Inc. a substantiellement terminé les travaux, toutefois, des délais sont requis avant de prononcer l'acceptation provisoire des travaux afin de produire les descriptions techniques et l'enregistrement des servitudes requises au projet. Considérant que le promoteur 9301-0775 Québec Inc. prévoit effectuer le déneigement de la rue Philippon et de la place des Perdrix afin d'accéder aux différents lots qui seront mis en vente au public. Considérant que le promoteur 9301-0775 Québec Inc. prévoit la construction de nouveaux bâtiments vendus à compter du 1er mars 2022, soit juste après la date d'acceptation provisoire des travaux. Considérant que le promoteur 9301-0775 Québec Inc. désire confier le service de déneigement à la municipalité durant la période hivernale 2021-2022, pour un montant forfaitaire de 3 448,57 $, ce qui représente 5 738 $ par kilomètre, plus les taxes applicables. On sent que le règlement numéro 684-2020 sur la tarification ne prévoit pas ce type de service prévu à la présente entente. Pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Houle, s'il vous plaît. Je propose que le Conseil accepte d'effectuer le déneigement de la rue Philippon et de la place des Perdrix pour la période hivernale 2021-2022 au montant forfaitaire de 3 448,57 $, soit 5 738 $ par kilomètre fois 601 mètres, plus les taxes applicables. Au vote. Pour. 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 Dons et subventions CPE La Montagne Enchantée. Considérant que le CPE La Montagne Enchantée a présenté une demande afin que la municipalité donne un livre en cadeau de Noël à chaque enfant du CPE, selon le groupe d'âge. Pour en faire la proposition, Mme Julie Lamoureux. Je propose qu'une subvention soit et est accordée au CPE La Montagne Enchantée pour l'achat de livres qui seront remis à chaque enfant du CPE à titre de cadeau de Noël de la part de la municipalité de Saint-Calixte, le tout pour un montant n'excédant pas 900 $.
Je propose que la municipalité s'engage à rembourser la facture du CPE, la Montagne Enchantée, sur présentation de pièces justificatives. Au vote. Pour. 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 Résolution 6P, demande d'aide financière, formation des pompiers. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour les formations des pompiers volontaires à temps partiel. Considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Considérant que la municipalité de Saint-Calixte désire bénéficier de l'aide financière offerte dans ce programme. Considérant que la municipalité de Saint-Calixte prévoit la formation d'un pompier, pompier pour le programme Pompier 1, deux pompiers, pompiers pour le programme Pompier 2, quatre pompiers pour l'auto-sauvetage et quatre pompiers pour MDO, deux pompiers pour opérateur d'autopompe et un pompier pour la pince de désincarcération au cours de la prochaine année pour répondre aussi efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC Montcalm, en conformité avec l'article 6 du programme. Pour en faire la recommandation, M. Gaétan Lavallée. Je propose une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière. Pour la formation des pompiers volontaires ou à un temps partiel au ministère de la Sécurité publique et transmettre cette demande au MRC de Montcalm. Au vote. Pour. 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 Résolution 6Q, période d'essai prolongée, employé numéro 610. Considérant qu'un employé est toujours en période d'essai, probation au sens de l'article 4.2 de la convention collective en vigueur et que celle-ci prendra fin le 14 décembre 2021. Considérant la recommandation de Mme Annie Delisio, directrice du service de l'urbanisme, de prolonger la période d'essai, probation pour une période de 6 mois. Considérant que l'employé doit démontrer certaines améliorations pour satisfaire au rendement attendu pour sa fonction. Pour en faire la recommandation, M. Alexandre Manta. Je propose que la période d'essai probation de l'employé numéro 610 se terminant le 14 décembre 2021 soit prolongée d'une période additionnelle de 6 mois, soit jusqu'au 14 juin 2022. Je propose que le maire ou le maire suppléant et le directeur général, M. Charles Leblanc, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Calixte, une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique. Au vote. Pour. 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 Résolution 6R, autorisation de report de vacances. Considérant que les vacances ne sont pas monnayables. Considérant que les vacances qui ne sont pas prises ou qui ne sont pas choisies avant le 31 décembre sont perdues, sauf s'il existe une entente écrite entre les parties à l'effet contraire. Considérant que la période électorale, le manque de main-d'œuvre et la gestion de divers dossiers prioritaires de la municipalité ont occasionné une surcharge de travail pour les employés ci-dessus mentionnés. Pour en faire la proposition, Mme Lucie Chagnon. Je propose que le Conseil autorise les employés suivants à reporter leurs vacances de l'an 2021 en 2022, soit pour l'employé numéro 106, 32 heures, l'employé 110, 10h30, l'employé 114, 52h30, l'employé 219, 32h et 3 quarts, l'employé 702, 32h. Que les vacances doivent être choisies au début de l'année et prises au courant des 3 premiers mois de l'an 2022. Que cette autorisation en est une d'exception et ne doit pas devenir la règle. Au vote. Pour. 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 Résolution
Résolution 6S. Congédiement disciplinaire d'un salarié, matricule 313. Considérant que la présente résolution vise une personne à l'emploi de la municipalité dont tous les membres du conseil municipal connaissent l'identité et qu'il ne convient pas de nommer aux fins de la présente résolution, vu son caractère public. Considérant que le rapport soumis aux membres du conseil municipal par le directeur général de la municipalité relativement à une mesure disciplinaire adoptée à l'égard du salarié visé. Considérant que les événements qui se sont produits au mois de novembre 2021 en regard du salarié visé. Considérant que les faits sont détaillés au rapport. Considérant que l'enquête effectuée par les représentants de la municipalité. Considérant que lors de cette enquête, le salarié visé a été questionné précisément sur les faits qui lui sont reprochés et qu'il a eu toutes les chances d'exprimer sa version des faits aux représentants de la municipalité. Considérant que lors de la rencontre d'enquête avec le salarié visé, ce dernier accompagné de deux personnes représentant le syndicat. Considérant qu'en présence des représentants de la municipalité et des représentants du syndicat, le salarié visé a avoué ses fautes. Considérant que dans le passé, le salarié visé était clairement averti que dans l'éventualité d'une récidive des fautes commises qu'il a avouées, il serait congédié. Considérant que la preuve est claire quant aux fautes commises et qui sont détaillées dans le rapport. Considérant la gravité intrinsèque importante du comportement fautif du salarié visé. Considérant le facteur atténuant analysé. Considérant que malgré le facteur atténuant, les facteurs aggravants sont jugés trop graves pour justifier la poursuite du lien d'emploi dans le contexte relatif au salarié visé. Considérant qu'au surplus, la municipalité ne peut tolérer les fautes disciplinaires qui sont celles du salarié visé. Tolérance zéro. Pour en faire la proposition, Mme Louise Bourassa. Je propose de procéder au congédiement disciplinaire du salarié visé en date du 6 décembre 2021. Mandater le directeur général de la municipalité, M. Mathieu Charles Leblanc, pour informer le salarié visé et un représentant syndical de l'adoption de la présente résolution et de la décision du congédiement disciplinaire conformément aux dispositions de la convention collective. Cesser de verser tous les avantages prévus par la convention collective aux salariés visés et ce, à compter du 6 décembre 2021. Au vote. Pour. 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 6T, nomination de surveillant routier pour la saison hivernale 2021-2022. Considérant qu'à la suite de l'affichage du 25 novembre 2021 pour la désignation de surveillant routier, deux personnes ont manifesté leur intérêt. Considérant que la recommandation de M. Kéric Dodon, contremaître du service des travaux publics. Pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Houle. Je propose que le conseil municipal entérine la nomination de M. Emmanuel Manta et M. Michel Fournier à titre de surveillant routier pour le tour de garde. Surveillance routière pour la saison hivernale 2021-2022, soit du 20 octobre 2021 au 20 avril 2022, puisqu'il possède l'expérience et les connaissances de l'emploi. Au vote. Pour. 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 Résolution U. Octroi de mandat à Géotechnique pour la construction du nouveau centre communautaire et de la culture. Considérant que le projet de construction du centre communautaire et de la culture, considérant la nécessité de connaître la nature du sol et la capacité portante du sol, considérant qu'une étude géotechnique est requise pour finaliser les plans et devis de construction, considérant que pour la réalisation du mandat, nous avons invité trois firmes à soumissionner. Considérant qu'une seule firme a déposé une offre de service conforme. Pour en faire la recommandation, Mme Julie Lamoureux. Je propose que le contrat d'expertise en géotechnique pour la construction du centre communautaire et de la culture de la municipalité soit et est accordé à Solmatec, qui est le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 16 300 $ excluant les taxes applicables, et lui adjuge le contrat, le tout payable à même le budget de fonctionnement. Au vote. Pour. 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 Résolution V. Résolution de fin d'emploi d'un pompier au service de sécurité incendie. Considérant que dans une correspondance datée du 8 décembre 2021, M. Sylvain Fortier informait la municipalité de Saint-Calix qu'il quittait définitivement son poste à titre de pompier. Pour en faire la proposition, M. Gaétan Lavallée. Je propose d'accepter la démission de M. Sylvain Fortier mettant ainsi fin à son emploi comme pompier du service
de la sécurité incendie, et ce, à compter du 13 décembre 2021. Et le remercie très chaleureusement pour les excellents services rendus à notre population. Que les effets du service incendie soient remis à la caserne dans le plus bref délai, que toutes les indemnités pour compenser ses vacances courues depuis le début de l'année lui seront entièrement payées. Au vote. Pour. 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 6W, programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, dossier numéro 30832-1. Donc, considérant que le conseil municipal a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à le respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée et est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile en cours de l'année, lequel le ministre les a autorisés. Considérant que les travaux ou les faits inhérents sont admissibles au PAVL. Considérant que le formulaire de reddition de compte, le V-0321, a été dûment rempli. Considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés. Considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition des comptes relatives au projet. Considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvé, sans toutefois exercer le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour en faire la proposition, M. Alexandre Manta. Je propose que le conseil de la municipalité de Saint-Calix approuve les dépenses d'un montant de 27 672 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321. Conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Au vote. Pour. 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 Résolution 6X. Donc, Mme Louise Bourassa se retire de la résolution. Donc, autorisation pour la signature du contrat de travail pour le poste de directeur du service de la sécurité incendie. Considérant que le contrat de travail du poste de directeur du service incendie arrivera à échéance le 31 décembre 2021. Considérant qu'il y a lieu de signer un nouveau contrat de travail pour le poste de directeur du service de la sécurité incendie. Considérant que lors du comité plénier du 6 décembre dernier, l'ensemble du conseil municipal, à l'exception de la conseillère Mme Louise Bourassa, ont discuté et se sont entendus sur les modalités du prochain contrat du directeur du service de la sécurité incendie. Considérant qu'un retour sera effectué au conseil suite à l'entente conclue avec le dit directeur. Pour en faire la recommandation, Mme Lucie Chagnon. Je propose que le maire... Ils vous ont pas donné le... T'as pas donné la dernière heure du jour, Mathieu Jean? Ils ne vous ont pas imprimé la bonne feuille. Il en manque trois. Mais essayez de les expliquer le mieux possible. Mais comme je vous dis, c'est au niveau du directeur incendie, il faut renégocier parce que son contrat est à terme le 31 décembre. Donc, pour en faire la proposition, Mme Lucie Chagnon. Je propose que le maire ou le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail à intervenir pour le poste de directeur général de directeur de la sécurité incendie. Au vote. Pour. 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 Résolution Y, que vous n'avez pas, nomination officielle de M. Pierre Pinet au poste de journalier concierge. Considérant qu'en vertu de la résolution 2021-05-25-172, la municipalité a procédé à l'embauche de M. Pierre Pinet au poste de journalier concierge.
Considérant qu'en vertu de la convention collective, la période d'essai est de 6 mois. Considérant que M. Pinet a terminé sa période de probation. Considérant que la recommandation d'embauche est de fin de la période de probation du contremaître des travaux publics, M. Éric Dodon. Pour en faire la proposition, Mme Louise Bourassa. Je propose que M. Pierre Pinet soit et est nommé officiellement au poste de journalier concierge. Au vote. Pour. 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 Résolution 6Z, octroi de contrat pour la fourniture d'abrasifs à la carrière Laurentienne. Considérant que la municipalité assure le déneigement de chemins routiers de la municipalité. Considérant que la municipalité doit épandre des abrasifs pour assurer la sécurité routière. Considérant que la municipalité a demandé 4 soumissions pour la fourniture d'abrasifs, soit les entreprises Beauval, Sars-Belger, Demix, Agrégat, Excavation Gilles Julien Inc. et Carrière Laurentienne. Considérant que la Carrière Laurentienne s'avère le soumissionnaire la plus avantageuse par son prix de fourniture à 11,61 tonnes métriques et sa proximité avec la municipalité. Considérant que le transport sera effectué par les véhicules de la municipalité. Considérant que la recommandation du contremaître des travaux publics, M. Éric Dodon, pour en faire la proposition, Mme Annie-Pierre Hull. Je propose que le contrat pour la fourniture d'abrasifs routiers soit octroyé à la carrière Laurentienne pour un montant n'excédant pas 45 000 $ incluant taxes nettes. Au vote. J'avais pas fini. Pour. Non. Excusez-moi, j'avais pas fini, j'ai été trop vite. Allez-y, très cher. Que le directeur général soit autorisé à payer au moment opportun toutes les factures relatives à ce contrat, que cette dépense soit financée à même le budget de fonctionnement de la voirie. Au vote. Pour. 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 Point 7. Présentation, dépôt et avis de motion d'un projet de règlement numéro 6821 relativement à l'imposition des taxes 2022. Donc, je les avais toutes expliquées tantôt. Donc, pour en faire la proposition, l'avis de motion, Mme Julie Lamoureux. Julie Lamoureux, conseiller, avise les membres du conseil qu'à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement sur la tarification applicable aux biens, services et activités de la municipalité. Je dépose du dit règlement, dont copie du dit projet sont mises à votre disposition. Le projet du dit règlement a également été publié sur le site web de la municipalité afin que les citoyens puissent en prendre connaissance. Je demande également dispense de lecture du dit règlement et ce conformément à la loi. Merci beaucoup. Chèque émis, paiement Internet, dépôt direct et transfert bancaire. Monsieur le directeur général, à vous. Oui, je dépose la liste des chèques émis au montant de 764 016 $ et 8 sous. La liste des paiements effectués par paiement direct et Internet au montant de 94 125 et 14 sous. Et la liste des dépôts directs au montant de 152 446 et 8. Ainsi que les paiements effectués par transfert bancaire et service de paie au montant de 149 393 et 62 concernant les salaires du 14 novembre au 27 novembre et du 1er au 30 novembre 2021. Merci beaucoup. Compte à payer, M. Gaétan Lavallée, s'il vous plaît. Je propose que la municipalité de Saint-Calix autorise le directeur général à payer les comptes d'après la liste reproduite ci-jointe au montant de 324 359 et 48. Au vote. Pour. 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 Divers, j'ai aucun point. Dépôt, rapport, documents et requêtes. Je sais que M. Leblanc a reçu, vous savez, qu'une fois que les élections, on a 60 jours pour déposer nos intérêts pécuniaires. Donc, M. le DG. Au niveau suivi MRC, j'ai rien. Ma prochaine assemblée sera demain. Espérons que j'aurai d'autres nouvelles pour l'année prochaine. Je sais qu'on va travailler sur le parc régional. Je sais qu'il y a une demande de 5 millions de subventions au niveau du ministère de Tourisme. Espérons qu'on va pouvoir aller chercher cette belle subvention-là pour pouvoir vraiment aménager un parc régional que ça fait longtemps que la MRC a, mais qu'on n'a jamais rien fait avec encore. Donc, espérons que
les prochaines années, on va faire quelque chose avec ce parc de 13 km carrés. Donc, à vous, la deuxième période de questions. Je pense que le micro est fermé, il s'en vient. Oui. Bien, c'est ça, je salue la nouvelle équipe. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Maintenant, pour ma question, c'est concernant, M. le maire, le pavage. Boisé-du-Serre. Boisé-du-Serre, Philippon, la batteuse. Je l'ai dit tantôt. C'est parce que moi, je suis arrivé à 8 heures. D'entrée de jeu, je vous le dis, je n'ai parlé au niveau des plans triennales. On a parlé du boisé du Saint, que c'était un projet. On a expliqué aussi que c'était une consultation publique, que c'était pas parfait. On sait qu'il y avait des bouts de rue qui n'avaient pas été inclus et tout ça. Exact. Je connais votre particularité par rapport à la grandeur de votre terrain. Oui. Bien, je vous dirais, c'est lors de cette consultation publique-là qu'on verra comment qu'on peut... Bien, c'est ça, c'est la prochaine, c'est ça. C'est ça. Mais là, écoutez, là, on va... Là, nous, on vient d'être élus. On a été assermentés le 15 novembre. On a été dans les budgets intensifs dans les derniers... je pense qu'on a été 3 jours. Juste par rapport au budget, 3 jours. Il faut comprendre une chose aussi, là. Moi, c'est beau que j'ai déjà été là, mais je suis avec 8 personnes que j'essaie de coacher du mieux que je peux. OK. Ma question d'abord, c'est... Votre question, c'est qu'en début d'année 2022, on va refaire une consultation publique pour le boisé du Serre, pour être beaucoup plus précis, puis en même temps, on parlera par rapport à votre enjeu à vous. Puis, vous n'avez rien fait depuis ce temps-là, naissance. Bien, rien là, qui a été fait depuis la dernière... Vous n'avez pas corrigé rien dans... Bien, écoutez, du 7 novembre... Non, bien, je demande. Non. Vous me le dites, c'est non. Oui ou c'est non. Je vous dis, on n'a pas travaillé là-dessus pantoute actuellement. Là, juste d'apprendre le volet municipal à la nouvelle équipe, là, que j'essaie de coacher du mieux que je peux parce que je suis là pour aider tout le monde. Moi. Fait, je suis pas là pour... C'est-tu janvier, c'est-tu février, on ne sait pas? Bien, je ne sais pas, Mathieu Charles, tu penses que ça peut être en janvier ou février? Boisé du Serre? Fait que ça peut se faire rapidement. Merci. Très bien. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Tu es correct de même? Oui. Moi, j'ai pas de problème. OK. Moi, j'habite sur la rue Duvalière. Duvalière-Ouest, puis il y a Duvalière-Est. Puis là, il commence à y avoir des blancs. Des blocs appartements commencent à se bâtir, puis tu les quittes. Puis là, j'ai averti mes voisins d'en bas qui allaient se bâtir d'autres blocs à côté. Fait que lui, il veut mettre sa maison à vendre. Puis là, quand il y en a un autre qui veut la mettre à vendre aussi, là. Ça va arrêter quand, ça? Bien, là, écoutez, encore une fois... C'est gênant, hein? Non, c'est pas gênant, pantoute. Écoutez, on a fait un règlement avant le nouveau conseil. L'ancien conseil, on a fait un règlement qu'on stoppait la construction des gros blocs sur la 335. Temporairement ou? Non. C'est pas revenu, là. Les blocs ne sont pas permis sur la 335 du Harnois jusqu'au rang 6 principal, jusqu'à Montépinette, jusqu'à où est-ce qu'il y a de l'eau et de la caduque encore, là. Donc, un peu avant le cimetière. OK? Toute cette artère-là, on ne permet plus de blocs, à moins qu'il fait un commerce en bas. Là, on est en train de travailler sur un plan de développement. Donc, c'est là où il va falloir cibler. Moi, je vous aurais dit, si on aurait eu une boule de cristal là, en 2012, là, puis on aurait su qu'il n'était pas à avoir tant de blocs que ça, qui seraient bâtis à Saint-Calix alors qu'on ne pensait pas, on les aurait tous envoyés aux pits de sable. On aurait dit, on centralise ce style de logement-là à un seul endroit. Bon, à cette heure-là, il y a eu des constructions un peu partout. Là, je vous dis, depuis 2 ans, on ne permet plus de dérogation mineure pour des blocs, des 6 logements. Tu te bâtis, si le terrain le permet, tu le fais.
si le terrain ne le permet pas, vient pas cogner pour une dérogation mineure, le conseil n'est plus ouvert aux dérogations mineures par rapport à, si on parle des 6 logements, par exemple. Donc, je vous dirais, en début d'année, on est en train de travailler le plan de développement. À cette heure, est-ce qu'on se dirait, on ne veut plus en avoir là non plus, puis on veut aller stationner ça, on va permettre ailleurs d'aller faire de la construction de 6 logements pour permettre une certaine quiétude en haut. Puis on se le dit, je l'ai dit tantôt, je ne sais pas si vous étiez là, une des choses qu'il faut faire, il faut installer un surpresseur sur Duvalière. Pourquoi la pression d'eau n'est pas assez forte? Donc, on va installer un surpresseur sur Duvalière. Donc, si je commence à rentrer trop de blocs là, à un moment donné, c'est beau, je mette un surpresseur, mais ça va m'en prendre combien pour pouvoir amener une pression d'eau? Oui, mais eux autres, ils payent assez de taxes pour en payer. Comment? Eux autres, les blocs, là, ils vont payer assez de taxes pour en payer, non? Ils payent des taxes, mais nous, un surpresseur, ça ne se fait pas de même. Là. Ça prend des devis, il faut que tu y ailles en devis. Maintenant, on y a été là, 2 ans. C'est-tu 2 ans, 1 an et demi, quand on est allé en soumission? Écoutez, les prix, c'était fou, là. On n'y a pas été. Là, on l'a mis, on l'a dit tantôt qu'on avait, dans le plan triennal, on a dit qu'on a une tech. On a 2,7 millions, qui est de l'argent, normalement, qu'on utilise pour l'eau et l'aqueduc. Donc là, on va aller investir sur un surpresseur sur Duvalière. À cette heure pour les blocs, mais il va falloir qu'on s'assie pour savoir où qu'on dit qu'on permet les blocs pour arrêter d'avoir une hémorragie ou ce qu'il y aurait trop de blocs un peu partout éparpillés, que c'est pas toujours beau, une belle petite maison, puis là, tu te ramasses avec 2-3 blocs en entour de toi, c'est pas agréable. Il y en a qui veulent vendre. C'est normal, j'ai. Mais ça, pour le moment, le règlement n'est pas fait encore là-dessus. On est en train de travailler avec une firme le plan de développement au niveau de l'urbanisme ici. Donc, ça va être des enjeux. Je pense que les conseillers qui sont en poste et les conseillères qui sont là, je pense que c'est dans leur mémoire. Là. Comme ça, il n'y a aucun bloc qui va se bâtir sur Duvalière Est ou Ouest. Je ne sais pas encore. Actuellement, il pourrait, si le terrain le permet. Moi, je vous dis, c'est qu'il faut travailler le plan de développement pour dire où est-ce qu'on va le permettre dorénavant puis où est-ce qu'on ne le permettra pas. Elles peuvent en bâtir d'autres. Là. Ben, si le terrain le permet, s'il est zoné pour, là, je ne peux pas tout vous répondre si le zonage est pour ou pas. La grandeur du terrain, peux-tu faire un 6 logements là? Je ne peux pas vous répondre. Là. Mais s'il peut? Ben, là, faudrait, oui, il pourrait. Il pourrait. Si le règlement n'a pas été changé, il pourrait. Mais ça, c'est le plan de développement qu'il faut travailler dessus. Mais qui arrête de bâtir des blocs? C'est-tu la municipalité ou c'est la police ou c'est qui? La police n'arrêtera jamais la construction de rien. Là. Ah, donc c'est la ville de Saint-Calix. Ah oui, c'est la municipalité. Ah, OK. Mais il faut faire le règlement pour. Je ne savais pas. Oui. Puis les dos d'âme, ils vont-tu en avoir ou? On peut en faire. Il y a des demandes. Faites des demandes. Faites une demande à la municipalité. J'en ai déjà fait une demande. Hein? J'en ai déjà fait une demande pour les dos d'âme. Bien, nous, on a installé des demandes. Moi, je peux vous dire, au lac Rond, on a installé 3. On a installé, on ne les a pas faites encore au lac de Don, mais il y a des demandes. Sur de la montagne, on a installé des dos d'âme. On a installé. On va la faire, la demande. Bien, moi, je vous dirais, faites votre demande. Je ne sais pas à qui vous aviez fait votre demande. Bien, ça, il vous tient à la personne. Oui, c'est mieux. Bien, moi, je vous dirais, écoutez, la meilleure personne, vous ne pouvez pas faire votre demande, c'est au conseil. Fait que si vous voulez être sûr que le conseil dit oui, on va de l'avant là-dessus, adressez-le au conseil. Vous pouvez me l'adresser à moi ou à votre conseillère, si vous voulez. Ça roule vite, eux autres. Hein? Ah ben, écoutez, ça roule vite partout. Là. Wow. Ah depuis qu'eux autres sont là, nous autres, on se promenait tranquillement dans la rue, il n'y avait aucun problème. Ah, mais ça roule vite depuis partout. Qu'eux autres sont là, tu ne te promènes plus tranquille. Je vous dis, sur vieux verbal, ça roule vite, là, mon appel. Sur le rang 4, là, mon appel, parce que ça roule trop vite. Au lac de Don, je suis sûr qu'il y a des manées, ça roule trop vite parce qu'il y a de la poussière, parce que c'est pas de l'asphalte. Oui, au lac Rond, on a installé 3 dos d'âme parce que le monde roulait en fou. Duvalière, il appelait-tu? Duvalière, est-ce qu'il appelait avant? Avant qu'il y avait moi, je ne peux pas vous parler. Moi, je fais juste vous dire de qu'est-ce qu'on entend de un peu partout des citoyens, de probablement du porte-à-porte de tout le monde. La sécurité routière, c'était un enjeu partout, là. C'était pas juste Duvalière, il y en avait sur le rang 6, il y en avait sur le rang 4, il y en avait dans tous les domaines. Moi, je ne parlerai pas juste de mon porte-à-porte, mais je suis sûr, Alexandre, puis je suis sûr que Lucie aussi, la sécurité est un enjeu dans tous les domaines. Écoute, il y a du monde qui nous demande de mettre le rang 4 à du 50 km/h. Il y a du monde qui.
nous demandent de mettre des dos d'âne sur le rang 4. Écoutez, c'est parce que... Non, c'est parce que moi, je coupe mon gazon avec le tracteur, puis un moment donné, je vois le maudit malade qui s'en vient, je m'envoie dans la rue. Moi, là, avec mon tracteur, puis je reste là. Tu vas arrêter. Toi, là, là. Tu sais, c'est le même, là. Mais ça, c'est de valeur, parce que majoritairement, c'est des citoyens du domaine. Puis majoritairement, c'est des citoyens qui restent là. Mais majoritairement, il y a monde qui n'a pas de respect entre eux. C'est ça, je trouve plate. On a rencontré un domaine, je ne me souviens pas lequel, je me demande si ce n'est pas Boisy-du-Cerf. Puis à un moment donné, tout le monde se plaignait comment ça roulait vite, puis tout ça. Puis c'est drôle, hein? C'est quelqu'un qui roule vite. Normalement, dans ce domaine-là, là, ça ne débouche pas ailleurs. Là. Normalement, c'est quelqu'un du bout qui roule vite. Là. Du monde au Lacron, c'était pareil. Il y a une maman qui me parlait au téléphone, me disait la même affaire. Elle dit, je le sais, c'est qui? Mais il s'en fout, le gars. Mais c'est de valeur, parce que c'est un citoyen de Saint-Calix qui reste dans le domaine, puis il s'en fout. Puis ma dernière question. On a reçu un mémo cet été. Je pense que c'est juin, juillet. Comme quoi qu'il avait fait venir deux camions citernes d'eau, parce qu'il manquait d'eau. On en a fait un, je pense. On a-tu fait un? Camion-citerne? On n'a rien qu'un qu'on a fait livrer. On a juste fait livrer un camion-citerne. Oui, mais ils ne sont pas obligés de le dire. Pourquoi qu'on ne pourrait pas le dire? Ben moi, quand je vais gazer mon char, je ne le dis pas. Tu sais, il me manque une pinte de lait, mais on va l'acheter. S'il manque de l'eau, on va chercher un camion-citerne. Si vous voulez sensibiliser les citoyens, monsieur, qui manque d'eau, tu dois leur dire qu'à un moment donné qu'on fait amener de l'eau? Non, non, mais je veux dire, citoyen, il n'est pas supposé de manquer d'eau. On n'est pas? Supposé manquer d'eau. Je sais pas, là, vous vous informerez là, comment il y a des citoyens qui ont manqué d'eau cette année et qui n'ont plus de surface. Non, non, mais je parle pas de ceux qui arrosent le gazon ou ceux qui lavent l'auto, ces affaires-là. Ça, c'est... Ouais, ben, moi, je parle juste boire de l'eau. Oui, mais même boire de l'eau, monsieur, là, on a arrêté le jeu d'eau parce qu'on est en train de vider notre réserve. On a vécu une sécheresse cette année. Oui, ça, je sais. Bon, bien, à un moment donné, il faut avertir les citoyens qu'on vit une sécheresse, dire, écoutez, si vous êtes capable de vous calmer par rapport à ça, l'eau. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Bon, bien, donc, c'est normal qu'on avertisse les citoyens, qu'on a fait tenir un citerne pour dire, écoutez, on est en manque d'eau, là. Oui. C'est bon? Oui. C'est tout. Merci. Bonjour. Parlant d'eau, là, qu'est-ce qui arrive avec les blocs? Tout ça, le réseau d'Acaduc de Saint-Calix, il répond à ça? Oui, bien là, écoutez, la sèche, on n'a jamais manqué d'eau de même avant, là, à Saint-Calix. C'était une année de sécheresse. Écoutez, il y a des lacs, là, ça a descendu d'un pied, si c'est pas deux pieds, il y a des places, là. Fait qu'il y a eu, vraiment, là, la sécheresse a été vraiment dommageable. Nos jeux d'eau n'ont pas aidé. Okay. On a fait évaluer la quantité d'eau qui était perdue, puis c'était quand même assez épeurant, là. Donc, quand on a arrêté le jeu d'eau, ça l'a calmé, je vous dirais, puis même les réserves revenaient. Si je ne me trompe pas, M. Charles, c'est quoi? C'est 1200 mètres cubes, notre réserve? On avait 600 mètres cubes, mais on peut, techniquement, ce n'était pas 2000? C'est quoi l'histoire du 2000-6000? Donc, ça va être des enjeux en 2022 d'avoir une plus grosse réserve aussi. Ça devrait être dans le plan de match au niveau du conseil. On l'a dit tantôt, par rapport au plan triennal, la municipalité va travailler l'eau et non le développement. On l'a dit tantôt, avant d'accueillir des gens, il faut être capable de leur donner de l'eau. Donc, on va travailler les infrastructures par rapport à notre réseau d'eau pour être sûr qu'on est capable de répondre aux besoins. Après ça, on verra comment on gérera le développement. C'est d'ailleurs la raison pourquoi on a stoppé les blocs, les six logements, c'est à 335 tout le long. C'est fini. Il y en avait deux qui avaient déjà ses permis. Je n'ai pas pu les empêcher. Il y avait déjà ses permis. Sauf qu'il n'y a plus personne qui peut redemander un permis pour des six logements, c'est à 335 jusqu'au rang 6. Tu pognes principal, tu pognes un bout de Montépinette, là. Il n'y a plus de six logements qui s'en va là. Le règlement, pour le moment, il est stoppé. Quand on reverra notre plan de développement, est-ce que dans ce temps-là, on va avoir sécurisé notre eau potable? On verra. Mais pour le moment, il faut gérer le développement puis être capable de s'occuper de l'eau en premier. La priorité, là, 2022, c'est l'eau. Je vous félicite vos micros en passant. Puis dans un, là, vos conseillères, parce que le masculin l'emporte sur le féminin.
Ils ont des cours, ces gens-là. Ce n'est pas des enfants. Ils ont des savoirs en arrière d'eux autres. Ils ont des? Ils ont du savoir. Tantôt, oui. vous aviez l'air à vous plaindre non. de vos conseillers qui étaient. Vous avez beaucoup de coaching à faire. Oui, c'est tout. Mais ils ont leur bagage aussi. Ah, bien, écoute, ils ont toutes leurs forces. J'ai jamais dit ça. Là. J'ai dit, le volet municipal, il y a des choses à apprendre. C'est juste ça que je fais. J'ai jamais dit, j'ai jamais abaissé personne. Là. Je sais pas ce que vous leur faire confiance. Vous avez l'air d'avoir une bonne équipe. Bien, je leur fais confiance. À ce que je sache, Lucie, je l'ai nommée maire suppléante et Alexandre aussi. C'est merveilleux. Mais bon? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Madame Lamoureux, pour la levée de l'Assemblée. On lève? Non, écoutez, avant, là, avant de vous dire bye, là, ça fait un petit peu plus qu'un mois qu'on travaille ensemble. C'est sûr que c'est pas facile, là, puis ça, j'abaisse absolument personne. Ce n'est pas facile parce qu'on vient de finir des élections. On vient d'embarquer le 15 novembre à Sermenté, puis il faut que tu travailles dans un budget. Et là, il faut que tu apprennes aussi comment marche une séance, c'est quoi un avis de motion, puis c'est quoi un règlement et tout ça. C'est juste ça que je dis, c'est de l'apprentissage qu'ils ont. Mais techniquement, là, des élections, ils ne devraient jamais faire ça en novembre. Ils devraient faire ça, fais-les en mai, pour donner la chance à ceux qui sont élus en mai de pouvoir s'habituer à manipuler. C'est quoi une séance de conseil, c'est ça? Au lieu d'arriver dans le bain, c'est quoi? Écoute, les budgets, puis on tombe là-dedans, puis on va là-dedans. Je trouve qu'ils s'en ont super bien tiré. Je trouve que ça va super bien avec eux autres. Il n'y a aucune amertume, il n'y a aucune... À ma connaissance, il n'y a aucun irritant par rapport à... Peu importe qui vient de qui, ou vient de où, ou vient de... Il n'y en a pas. Fait que... On va... Je suis en train de me demander si c'est pas le mien. À toute fois que je m'approche, on dirait que c'est le mien. Je ne sais plus. Écoutez, tout ça pour vous dire que ça va super bien. On travaille tous pour les citoyens. Il n'y a personne qui veut nuire par rapport... Il n'y a personne qui travaille sur son ego. Ça résume-tu bien la chose? Personne ne travaille sur un ego. On travaille pour les citoyens, pour le bien-être des citoyens. Avant que vous partiez, je pense, vous pourrez, parce que c'est des femmes intelligentes et aussi un gars intelligent, moi, je veux vous dire, faites attention à vous. C'est Noël. On sait tout ce qu'on vit avec la COVID-19, on sait tout ce qui va arriver par rapport au fait de se regrouper, pas se regrouper, puis tout ça. Moi, je vous dirais, faites attention à votre santé. Souvent, des fois, là, on souhaite toutes sortes de choses dans la nouvelle année, mais je vous dirais, moi, ma priorité, ça, c'est la santé, pour que vous soyez en forme, revenez en 2022, venez en grand nombre, moi, je vais toujours essayer d'être le plus transparent possible. Ce conseil-là va être aussi le plus transparent possible. On a absolument, moi, j'ai absolument rien à cacher. Et je vous dirais, profitez de ce temps-là. Vous savez, la vie passe vite. Des fois, tu regardes ça, là, puis je parlais rien qu'à ma femme aujourd'hui, puis à un moment donné, on se réveille, puis on se dit, écoute, on n'est même pas à 2 semaines de Noël. Là. C'est comme si on ne voit vraiment pas le temps passer. C'est vraiment une période là, où ce que vous avez l'opportunité de bien, dire à quelqu'un de proche que tu l'aimes, dire à quelqu'un que je pense à toi, dire à quelqu'un que tu as besoin d'aide, je suis prête à t'aider. Ça, là, je vous dirais, là, tout ce qui vient du cœur, c'est essentiel. Alors moi, je vous souhaite une belle période des fêtes. Je veux que vous nous reveniez en santé en 2022 parce que nous, plus il y a du monde qui vient nous voir, plus c'est agréable parce qu'on se dit l'information, elle va se protéger de plus en plus. À cette heure, j'aimerais donner aussi la parole à Julie, si tu veux dire quelque chose aux citoyens, parce que c'est pas juste mes citoyens. Hein.
c'est ses citoyens, c'est ses citoyens, c'est ses citoyens. On travaille en équipe, donc vous êtes tous nos citoyens. Alors, Julie, tu veux-tu dire un petit mot? Oui, c'était pas prévu. Non. On a chacun pris un mandat, on a plongé, en fait, carrément, dans l'apprentissage, l'assimilation, les termes et tout ça. On a beaucoup pris de notes lors de nos porte-à-porte qu'on a fait. On a rencontré du beau monde. Et puis, on a très hâte de commencer en janvier 2022, finalement, à mettre sur place nos projets. Parce que, oui, il y a des budgets, il y a de la préparation à faire, il y a des employés et tout ça, mais il y a aussi vous là, qui êtes derrière, qui nous avons appuyé. Puis, bien, je voulais juste vous dire qu'on a tous notre liste de prêtres, on a très hâte. On a hâte à l'été, on a hâte au printemps pour tous les projets, on a hâte d'embarquer dans notre bénévolat même. Hein? Il y a plein de projets aussi avec des associations. Là, je vois Jeanne, je vois, ils sont partis tantôt, nos amis du lac Siesta et tout ça. Il y a Jean-Marc aussi, puis tu sais, moi c'est ça, c'est vraiment ça, j'ai hâte. Encore ce matin, je suis fébrile, tu sais, de débuter tout ça. Autant on en apprend, mais autant j'ai l'impression que vous allez nous en apprendre aussi de votre côté. Donc, voilà. Merci. Oui. Ça ne l'attendait pas, là. Non, ça ne l'attendait pas du tout. Moi aussi, j'ai ma liste de prêtres. J'ai hâte à revenir en janvier pour qu'on puisse parler de tout ça ensemble et puis réaliser nos projets qu'on aimerait tous. On entend-tu fort? Je voulais juste dire joyeux Noël et bonne année et faites attention à vous. Merci. Mais moi, je vais y aller dans le même sens. Lors de notre porte-à-porte, on a recueilli beaucoup de demandes, on a recueilli beaucoup de commentaires qu'on a pris avec soin, qu'on a notés, qu'on a hâte d'aborder, qu'on a hâte de mettre de l'avant. Mais c'est sûr qu'on avait des grosses choses à apprendre pour l'instant. Mais une chose après l'autre, on va y arriver à vos demandes. Puis si vous avez quoi que ce soit, on est toujours, toujours disponible. Puis j'ai souhaité des belles fêtes. Merci. Alexandre? Bien, pour ma part, je voudrais dire merci puis bonjour à tout le monde. Puis je voulais juste dire que je pense qu'un coup qu'on a été élu, on a tous été surpris par la lenteur de comment ça se passait parce que c'est long, c'est un processus qu'on travaille de semaine en semaine puis ça va d'une semaine à l'autre. C'est long. J'ai l'impression qu'on va y aller sur 4 ans. Puis qu'on n'essaye pas d'étirer à sauce, on va essayer de faire au mieux et au plus vite. Mais le municipal, c'est une étape à la fois, puis on va y aller une semaine à la fois, fait qu'on va se revoir en janvier. On déjà, regarde, les vacances de Noël s'en viennent, on va se revoir juste au mois de janvier. Fait que je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde. Bonjour. Moi, écoute, je suis arrivé à 1960 à Saint-Calix. C'est-à-dire que moi, les Calixiens, puis le village de Saint-Calix, j'y tiens beaucoup. Je trouve que les gens sont bons. C'est une ville quand même qui est agréable à vivre. C'est pour ça que je suis là en avant, pour essayer d'aider les gens à mieux vivre dans leur secteur. Puis, je voulais le souhaiter bonne et heureuse année, moi aussi. Lucie? Moi, je veux remercier Sonia et le directeur qui nous ont appuyés, qui ont décortiqué chacun des chiffres pour nous permettre de comprendre c'est quoi le budget, les dépenses, etc. Alors, c'est nous qui sommes en avant chaque semaine ici, mais ça prend de l'expertise en arrière de ça pour nous coacher. Alors, ça, je voulais le souligner et c'est une belle équipe avec laquelle on travaille. Merci. Puis, je veux revenir à ce que c'est que Julie disait tantôt. C'est plus que la parité, là. Il y a 4 femmes. C'est plus. Mais écoute, tout le monde a une force. Ça va être désutilisé. C'est juste, comme j'ai dit tantôt, c'est pas d'abaisser personne. Moi, je suis là pour tout leur donner qu'est-ce que je connais. J'ai été 12 ans, 8 ans conseiller, puis 4 ans maire. Fait que j'ai pas à garder rien pour moi, pour mon propre capital. Je suis pas là, moi. Moi, je suis là pour tout donner que c'est que j'ai. Moi, que Julie, ça est meilleur, que Nipierre, ça est meilleur, que Lucie, ça est encore meilleur, qu'Alexandre, ça est encore meilleur, c'est mon but. Je suis pas là juste pour moi, je suis là vraiment pour les citoyens. Et si eux autres sont bons,
mais vous allez tous être gagnants là-dedans. Alors, bonne soirée, bon retour à la maison, puis profitez du temps des fêtes. Je veux la levée de l'Assemblée, Madame Lamoureux. Je seconde. On n'a pas appris comment fermer une assemblée encore. Oui, bien, tu fais juste dire « Je propose la levée de l'Assemblée ». Je propose de lever l'Assemblée. Au vote. Pour. Fait que, bonne soirée, puis on se revoit en 2022.